aborder le dernier tournant. Quentin Delclerc est facile, mais voilà, Diablo Dunoyer qui va être relancé par Jean-Michel Bazir. Le tournant final, Quentin Delclerc, Diablo Dunoyer qui est propulsé par Jean-Michel Bazir qui vient désormais en deuxième position dans leur sillage coup droit qui a une bonne course avec à la corde Target Chronos. On va sortir du dernier tournant. Quentin Delclerc, Diablo Dunoyer qui sont aux deux premières places devant coup droit qui va être relancé par Mathieu Abrivard. Quentin Delclerc qui essaye de réaccélérer et qui a pris une longueur d'avance sur Diablo Dunoyer qui n'abdique pas. Coup droit également qui est lancé désormais par Mathieu Abrivard. Coup droit qui vient de plus en plus fort, qui vient menacer et prendre l'avantage au favori Quentin Delclerc. Coup droit qui a été lancé au bon moment et qui au sprint va s'imposer nettement. Coup droit et Mathieu Abrivard qui remporte le prix de Chenonceau.